bienvenue sur jeanpierrevillade.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur les bases de la comptabilité avec une mise en situation professionnelle sur EBP Compta. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre les mécanismes, comptables pour bien comprendre ensuite, une fois que vous êtes sur EBP Compta, la saisie de vos différentes factures, que ce soit des factures d'achat, des factures de vente, des règlements clients ou règlements fournisseurs. Nous verrons dans un premier temps, dans cette formation vidéo sur les bases de la comptabilité qui dure à peu près 2h30, ce qu'on appelle vraiment, je dirais, les notions de base, comme les cadres de la comptabilité, ou dans le cadre de la comptabilité, effectivement, nous verrons tout ce qui est organisation comptable et obligation comptable, afin que vous compreniez bien, effectivement, l'incidence est bien suite à la saisie de vos factures dans les différents journaux, et bien vous verrez pourquoi en fait et bien vous enregistrez dans un journal pour ensuite arriver au bilan. Nous verrons ce qui est peut-être le plus important dans la comptabilité, cette notion de débit et crédit, et donc vous comprendrez pourquoi, bien effectivement, dans la formation sur la base de la comptabilité, pourquoi le débit doit être toujours égal au crédit. Nous verrons différents exemples de factures, soit de vente ou d'achat, qui seront toujours articulés avec ce qu'on appelle des contentés, où effectivement, eh bien, via les contentés, vous allez bien comprendre eh bien, l'enregistrement de toutes vos factures. Nous verrons également le principe eh bien, des journaux, quels sont les différents journaux que l'on utilise en entreprise. Vous verrez des exemples concrets des différents journaux avec des exemples d'écriture. Cette formation eh bien, sur la notion du plan comptable, et nous verrons effectivement sur EBP Comptabilité tous les exemples de comptes que vous allez rencontrer dans votre entreprise, soit au niveau des comptes de bilan ou des comptes d'exploitation. Vous aurez des exemples concrets sur tous les comptes que vous allez rencontrer eh bien, dans votre entreprise sur EBP Compta, aussi bien sur tous les comptes de charges. Et là, nous allons balayer vraiment à la fois tous les comptes de charges d'exploitation. Nous verrons tous les comptes que vous pouvez rencontrer au niveau des charges financières, charges exceptionnelles et tout ce qui est éventuellement dotation aux amortissements. Donc là, nous verrons tous les comptes que vous pouvez rencontrer. Nous verrons également au niveau des produits, et bien pareil, tous les produits d'exploitation, produits financiers et produits exceptionnels que vous pouvez rencontrer dans votre entreprise. Et nous terminerons par les comptes de bilan. Donc là, nous verrons tous les comptes de capitaux que vous allez certainement rencontrer dans votre entreprise, tous les comptes d'immobilisation, les comptes fournisseurs, clients et autres tiers, tout ce qui va être comptes sociaux, TVA, et nous terminerons par rapport aux comptes de bilan, par rapport aux comptes financiers, donc tous les comptes de banque et de caisse que vous pouvez être amené à utiliser dans votre entreprise. Suite à cette formation vidéo sur les bases de la comptabilité sur EBP Compta, eh bien vous serez plus à l'aise, je dirais, une fois que vous serez sur EBP Compta pour bien maîtriser ces notions de débit-crédit. Vous comprendrez mieux maintenant la saisie au niveau des journaux d'achat, de vente et de banque. Et enfin, vous allez bien maîtriser toute la création de votre plan comptable, aussi bien sur tous les comptes, je dirais, de la classe 6 et 7 que vous allez rencontrer, que tous les comptes de bilan de la classe 1 à 5.